s'il s'agissait de réaliser une opération de logement pour une population qui n'a pas accès au logement social, donc une opération encore plus sociale, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de partir de cette question pour essayer de tirer l'architecture vers le haut. Nous, on est parti sur l'idée de faire un bâtiment passif au sens Passivhaus, donc qui est un label allemand, et qui met l'accent sur les qualités des enveloppes, des vitrages, l'absence des ponts thermiques. Et moyennant cela, on arrive à faire une architecture généreuse. Le montage est particulier parce que dès le début, pour atteindre nos objectifs de reste pour vivre maximum pour les habitants, nous avons dû travailler à la fois à l'optimisation du projet, mais également à des comparaisons de choix techniques extrêmement variés, car il fallait en permanence raisonner entre l'investissement et l'exploitation pour arriver dans une opération dont le coût global serait le plus optimum pour la totalité des intervenants. C'était forcément une collaboration originale, puisque il a fallu agir en permanence entre le maître d'ouvrage, l'architecte, l'entreprise, les différents bureaux d'études pour être capable de choisir des solutions qui n'étaient pas toujours la meilleure pour chacun d'entre eux, mais qui étaient la meilleure au global.